Magnifique interprétation de Hanerot Alalu par Ben Sion Miller et Yaakov Motzen, que je voulais vous faire entendre et qui est magnifique et qui nous invite à une réflexion remarquable. Hanerot Alalu, ces lumières, nous les allumons par rapport aux miracles, etc. C'est très bien. Ces lumières, alors ce texte, on ne devrait pas le dire le premier jour parce que le premier jour, il n'y a qu'une seule lumière. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais il y a le shamash. Oui, mais shamash n'est pas la lumière qu'on n'a pas le droit de profiter. Dans le texte, on dit, ces lumières, on n'a pas le droit d'en profiter parce qu'on les allume que pour la mitzvah. Donc, ce sont les lumières de la mitzvah. Le shamash, c'est, permet de, d'allumer les autres lumières ou d'éclairer pour ne pas profiter de la lumière de la Hanoukia, la lumière de, qui a ce côté mystérieux et qui donne un message. Alors, qu'est-ce qui se passe le premier jour? On ne devrait pas dire un erot alalou, on devrait dire un er alzé.
la Nérote à la Loue vient nous indiquer qu'il y a une autre lumière aussi qui était allumée. Ça peut être la lumière qui est notre Neshama. Ner Hashem Nishmat Adam, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Il faut savoir s'allumer, s'éclairer. Quand on allume la lumière de la Hanoukia, on réveille sa propre Neshama, et on réveille cette lumière en nous. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est quand on allume ici une lumière dans le ciel, eh bien, il y a une lumière aussi, comme on sait qu'il y a la menorah qui était dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, dans le temple, et il y a une lumière qui, lui, est en parallèle dans le ciel. Et en fait, quand on allume nos lumières, la première lumière qu'on allume, il y a une lumière en face, spirituelle, qui lui fait face. Et là, il y a quelque chose qui est très, très remarquable, parce que, vous savez, on allume, pendant la fête de Hanouka, 36 lumières. Oui, c'est 1 plus 2 plus 4, plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Ça fait bien 36, comme les 36 lumières de 36 chandelles. Non, 36 chandelles, non, c'est pas ça. Mais c'est, en tout cas, ça fait 36. Et si on allume 36 ici, en parallèle, il y a aussi 36. Et 36 et 36, ça fait 72. Et oui, et 72, c'est la valeur numérique du mot Maccabi. Ah, voyez, ouais, les Maccabées. Maccabi, c'est un terme très particulier. Alors, souvent, on le rapporte à ce passage du cantique de la mer Rouge, Shiratayam. Mira Moraba Elim Hashem, qui comme toi, parmi les puissants. Elim, c'est alors, il ne faut pas dire Kelim. Phrase de Shalom de dire Kelim. Parce que c'est pas Dieu. On parle des forces. Et donc même si on veut pas dire le nom de Dieu, là c'est pas le nom de Dieu. Soit c'est parmi les forts ou parmi ceux qui sont muets. Mira Mocha Ba'elim Hashem. Et ben les initiales, ça fait Maccabi. Et Maccabi, ça veut dire que c'est 72. 72, c'est le principe du chesed de la bonté, puisque le chesed, sa valeur numérique c'est 72, c'est la valeur numérique du nom de Dieu quand on le remplit, ce qu'on appelle Bemilou Yudin, avec un remplissage de Yud, ça c'est des notions kabbalistiques remarquables. C'est en tout cas un degré puissant d'allumer une lumière cachée. Le premier ordre que Dieu donne dans le monde, c'est quoi? Vayom Elokim Yoyor. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le premier ordre que Dieu donne au monde, c'est cet ordre de la lumière. La dernière mitzvah, alors il y a les mitzvot de la Torah qu'on retrouve dans le Chumash, mais à part les 613 mitzvot, il y a 7 mitzvot d'obligation rabbinique. Et la dernière mitzvah d'obligation rabbinique, eh bien c'est le Ner Hanouka, c'est encore la lumière de Hanouka. C'est la dernière, historiquement, puisque l'autre fête de Rabbanan, d'obligation rabbinique, c'est la Megillat Esther de Purim. Purim, c'est bien avant, c'est avant la construction du deuxième temple. Là, le Ner, la lumière de Hanouka, c'est au moins au milieu de la période du deuxième temple, quand il va voir l'histoire de Hanouka. Je dis au moins parce que certains disent que c'est la mitzvah du Ner Hanouka a été vraiment, a pris toute sa place après destruction du temple. Bon, ça c'est une discussion de spécialistes. Est-ce que cette institution de la mitzvah était depuis l'époque des Hashmonaïm? C'est pas évident comme petite discussion là-dessus. Mais en tout cas, cette lumière de la mitzvah, l'ordre de la création de la lumière et l'ordre, la mitzvah de la lumière, qui est donc le début et la fin de tout, eh bien c'est cette connexion qu'on a avec la lumière cachée, parce qu'on sait que la lumière, Vayomer Elokim Yor, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, c'est pas la lumière du soleil. Le soleil n'était pas créé encore, ou en tout cas il n'était pas placé, suivant les opinions. Toujours est-il qu'on parle ici d'une lumière que Dieu va cacher. Pourquoi il cache? Ah oui, parce qu'il ne veut pas que les méchants l'utilisent. Mais alors pourquoi Dieu l'a créé? Ça s'appelle à une réflexion, un approfondissement qui dépasse largement le cadre de notre petite émission. Et je vous laisse le soin de réfléchir à ces questions et peut-être les approfondir, de pouvoir y réfléchir. Toujours est-il que cette lumière, Dieu l'a cachée. Il l'a cachée où? Essentiellement dans la Torah orale. Intéressant, parce que ce principe de la Torah orale va se trouver donc dans la Mishnah, et la Mishnah qui va être développée dans la Gemara, dans le Talmud, notamment le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, composé de 36,
36 traités. Tiens, 36 traités comme les 36 lumières de Hanouka. Alors il y a ici un point fort, un point qui est lié aussi avec le lien des Hashmonaïm, des Asmonéens qui étaient des Kohanim, le Kohen et l'homme du Chesed. Alors c'est intéressant parce que Chesed, je vous ai dit, c'est la même lumière que mot Maccabi, 72, et que le Kohen, eh bien c'est 75. C'est autrement dit cette continuité qu'il y a dans la dimension du Chesed. D'ailleurs quand on fait don au Kohen, on n'est pas très fixe sur la quantité qu'on doit leur donner. Autant pour le Lévi qui est un degré de din, c'est la dîme, c'est le dixième qu'on doit lui donner, le Kohen on lui donne la terouma. Terouma, alors on dit c'est 2%, un cinquantième, mais en fait ça c'est Tréméa, Terouma, Tréméa, 2%, mais c'est pas fixe en fait par la Torah, alors que le Maaser, ça vient du mot Esser qui veut dire 10, et donc ça signifie vraiment une mesure bien, bien particulière. Alors le Kohen est dimension du Chesed, le Chesed c'est 72, c'est Maccabi. Maccabi, est-ce que c'est aussi peut-être le sens comme une sorte de marteau, comme on parle Charles Martel, Maccabi qui frappe. Mais si on dit comme ça, ça pose un petit problème parce que ce serait avec un kouf qu'on devrait écrire Maccabi, pas avec un kaf. Alors des initiales, des noms, c'est intéressant parce que quand on réfléchit un peu sur cette lumière, on est dit que la première lumière, Dieu a vu que la lumière était bonne. Vaïra Elohim et Taor Kitov, il a vu qu'elle était bonne, alors il a caché. Tov, Tov, Vaïra Elohim 17. 17, c'est l'âge de Yosef dans notre paracha, connexion qu'on va revoir. Mais le Tov, donc la lumière qui est bonne, si je la relie au Chesed, la bonté qu'on évoquait, donc, qui est la même valeur lumière que Maccabi, donc qui était 72, que ce soit Chesed ou que ce soit Maccabi, et que 72, ben, je l'accroche au Tov, au bon, ça fait 89, 72 et 17, 89 c'est Hanouka. Ah! Et bien Hanouka va se trouver dans cette force du lien avec le nom de Dieu. On a évoqué tout à l'heure la connexion avec le nom de Dieu. Remarquable quand on va prendre le nom de Dieu justement et qu'on va s'intéresser à sa valeur numérique mais en petite valeur, ce qu'on appelle en gematria ktana. Vous savez, gematria ktana, c'est alors que chaque lettre a un lien avec un chiffre. Dans la gematria ktana, on ne s'intéresse pas au zéro. Quand on a par exemple le Yud qui vaut 10, va valoir 1 en gematria ktana, on enlève le 0. Et le Kouf qui vaut 100 va valoir aussi 1. Ainsi donc le Aleph vaut 1, le 10, le Yud qui vaudrait 10 vaut 1 aussi, et le Kouf qui vaut 100 vaudra aussi 1. Et donc le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, alors le Yud, ben, au lieu de valoir 10, il va valoir 1. Et maintenant donc on a 1. Le He, deuxième lettre du nom de Dieu, vaut 5, ça ne bouge pas. Le Vav vaut 6, il ne bouge pas, et le dernier He du nom de Dieu, ça vaut 5, ça ne bouge pas. C'est donc on a le Yud qui est devenu 1, plus le He 5, le Vav 6 et le He 5, et bien ça fait encore 17, 17 de ce Tov. Alors il y aurait encore à développer, mais je finirai cette réflexion avec encore un point sur Yosef, le lien avec la Hanouka qu'on trouve au début de la paracha, parce que paracha de Vayeshev, sachez-le, c'est une paracha qui est toujours avant Hanouka ou pendant la fête de Hanouka. Et donc on est soit dans la perspective de la fête de Hanouka qui arrive, soit on est déjà dans Hanouka. Très rarement, le Shabbat de Vayeshev, c'est Hanouka, et Shabbat d'après, Miketz, c'est le lendemain, et il n'y a pas de Hanouka, mais en général, Miketz, c'est la plupart du temps le Shabbat de Hanouka, et puis des fois, on a deux Shabbatot de Hanouka, Vayeshev et Miketz. Cette année, ben non, on a juste Miketz, et là, Vayeshev nous annonce la fête de Hanouka. Or, on a dit que Yosef était Ben Zekunim Hulo, c'était le fils de sa vieillesse. C'est pour ça que Yaakov avait beaucoup d'affection, avait une préférence, oui. Pour Yosef, une préférence un peu particulière, mais qui était Ben Zekunim Hulo, l'eau pour lui. L'eau, ben ça s'écrit Lamed Vav, Lamed c'est 30, Vav c'est 6, c'est 36, c'est les 36 lumières de Hanouka, 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 8. Mais Zekunim, c'est quoi Zekunim? Zekanim, Zayin c'est 7, Kanim,
les sept branches, les sept branches du candélabre. Et oui, Yosef va être ce lien de la sagesse. Ben Zekounim, c'est le fils de sa sagesse. Cette sagesse qui est la sagesse que Yaakov avait accumulée dans la yeshiva de Shem Ever, qu'il avait appris pendant 14 ans. Alors c'est 14 ans qu'il a passé dans la yeshiva de Shem Ever. Il va transmettre cet enseignement au petit Yosef depuis l'âge de 3 ans. Puisqu'on commence, on initie à partir de 3 ans l'enseignement. Alors de 3 ans, 14 ans d'enseignement qu'il a eu chez Shem Ever, ben ça fait 17 ans, c'est l'âge de Yosef dans cette paracha, 17, qui est vers la lumière du mot Tov. Tov, voilà, c'est toute cette symbolique qui est puissante. Alors, un autre point, et je conclue cette partie avec cela, on a dit la paracha de Vayeshev. Vayeshev, il s'installa. Et bien, quand on allume la Hanouka, une fois qu'on a allumé la Hanouka, il y a un certain nombre de choses. On va chanter, on chante le psaume 30, bismo shir Hanouka Tabait et David, de Hanouka Tabait, le psaume de l'inauguration du temple de David. David n'a pas vu le temple. Donc c'est un psaume qui est dans une perspective prophétique. Et donc on ne fait pas toujours très très attention à cela. Mizmor Shir Hanouka, c'est le psaume de Hanouka, c'est vrai. Maos Tour, ce poème liturgique magnifique, où on retrouve un acrostiche Mordechai. Ah, ça fait un peu désordre, un peu, parce que Mordechai, c'est plutôt l'histoire de Purim. Non, c'est pas désordre, parce qu'il y a une connexion entre les fêtes d'obligation rabbinique entre Hanouka et Purim. C'est en fait deux points d'une même entité. L'un se trouve au début, on va dire, dans l'hiver, et l'autre à la fin de l'hiver pour Purim, et des connexions qu'on développera à un autre moment. Et donc ça, c'est ça, mais... À part cela, il y en a qui font des psaumes, des degrés, c'est aussi très fort. Et puis, il y a un psaume qui est un best-of, on va dire, c'est le psaume 91. Yoshev, Beseter Elion, ce psaume que les Hashmonaïm disaient quand ils partaient en guerre et ils gagnaient de cette façon, c'est un psaume de protection, c'est un psaume d'une puissance extraordinaire, et qu'il est bon de lire ou de chanter. Quand on a allumé après l'allumage de la Hanoukia, on n'est pas obligé de rester devant la Hanoukia, mais c'est mieux de rester au moins pendant une demi-heure, de rien faire d'autre que prier, lire des télims, raconter l'histoire de Hanoukia, profiter de cette lumière, pas dans un profit matériel, mais un profit spirituel, et lire, par exemple, donc, ce psaume 91, Yoshev, Beseter Elion. Cette paracha, c'est paracha de Vayeshev. Vayeshev, Yoshev, vous voyez, connexion intéressante. Yoshev, Beseter Elion. Yikrav yolechu Kima
oif weven rak lechu Aham shachal Umu feisten dich gedroich Tihi yigir mois Gefir besamen Ki vichu ushak Va afaltayi Asag vayi Ki yudashemi Ikru vayni Yoy bitzugru Achal tzaihi Ve'achabrayi Oyrech yumigim Az biyayigi Ve'aharayigi Ishi yuhusi Oyrech yumigim Az biyayigi Ve'aharayigi Ishi yuhusi. Voilà, c'était le psaume 91, chanté d'une façon chassidique. Alors, il y a un paradoxe pour la fête de Hanouka qui est remarquable. C'est une fête qui concerne chacun, chacun et chacune. Oui, parce que les femmes ont la même obligation que les hommes. Une femme peut rendre quitte un homme et dans un allumage synagogal, on va dire public, on a une obligation d'avoir un minyan. On peut allumer la lumière de Hanouka tout seul à la maison, mais quand c'est un allumage public qui ne rend quitte personne au passage, c'est le paradoxe, mais on doit être un minyan. Si on veut faire avec la bracha, on ne peut pas le faire sans le minyan. Et dans ce minyan, les femmes comptent. Eh oui, les femmes comptent dans un minyan pour l'allumage public de Hanoukia. Alors, l'allumage public, je rappelle, ne rend quitte personne. Il faut allumer chez soi. Il faut allumer dans sa maison. C'est quelque chose qui est très important, même si on est ailleurs, etc. C'est allumer chez soi. Alors, c'est un paradoxe parce qu'on allume chez soi, mais quand on allume aussi, on a le souci des autres. Il y a Pirsoumanes, la diffusion du miracle. Mais aujourd'hui, l'essentiel de la diffusion du miracle, c'est dans la famille. C'est au sein de pour ses proches. Alors, c'est penser aux autres, le souci de l'autre, dans ce souci de lumière, de diffusion du miracle, de cette fête magnifique où il ne faut pas oublier qu'on doit allumer des lumières, mais on doit aussi remercier Dieu en faisant le Hallel. On doit remercier Dieu dans des rajouts que l'on retrouve dans la prière et dans le Birkat Hamazon. Un programme d'une grande richesse, un programme d'une grande force. Et il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbat, Shabbat Shalom Ouvrar, Hanouka Sameach, une fête des lumières lumineuses et rayonnantes. Shabbat Shalom. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו לילה ויום סביבוננו יסוף סופגניות נאכל במלרוב העירו, הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים הנרות הללו שאנו מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה חשמנים ופרצו חומות מגדלי ודימו כל השמנים ומנותר קנקנים
שושנים בני בינה ימי שמונה קבו שיעור עננים בני בינה ימי שמונה קבו שיעור עננים יוונים יוונים נקבצו עליי הזיידים מחשמנים ופרצו חומות חומות מגדליי ותימו כל השמנים בצו עליי עזי במלך השמנים ופצו חומות חומות מגדליי ותימו כל השמנים ומינות הרקנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שיעור עננים בני בינה ימי שמונה קבו שיעור עמד בצד הפח, הפח עם שמן זך הדליקו בו האור לשיר ולמזמור הדליקו בו האור לשיר ולמזמור חנוכיה שלי, אורך נעלי סביבון, סוף 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 חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב סביבון, סוף 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 סום נסוף כבחון, נס גדול היה פה נס גדול היה פה סום נסוף כבחון לכבוד מה לכבוד החנוכה